Je suis au courant de ce projet dès le début de la création. Afa, il m'a parlé déjà. Donc, quand il a eu l'idée de créer le Solipad, je suis très contente d'ailleurs que nous avons une association qui est créée dans le milieu du badminton pour justement utiliser notre mondial, le cercle de badminton, ouais, pour récolter l'argent pour aider les gens qui ont besoin, qui ont dans leurs besoins. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui participent à ces sports et que ça nous permet de faire la promotion du sport, je pense aussi, et de, à travers tous ces gens qui unis ensemble, qui font du badminton ensemble et qu'on pourrait faire des promotions et puis aussi, bien sûr, de l'aide des gens, voilà, on récolte de l'argent. Mon but d'ambassadeur d'un boule marin, c'est que je fais essayer de parler justement à la télé et d'aller faire de publicité avec, en faisant de compétitions, de démonstrations, puis à justement participer à ces genres de tournois. On vient voir les gens et essayer d'approcher ces gens qui ont joué en loisir, en badminton, mais pas tout à fait dans le professionnel. Mais en faisant du badminton moi-même, je me suis fait plaisir sur le terrain. J'aimais bien à partager mon plaisir avec les gens qui sont en difficulté et puis leur amener le sourire aussi aux autres. Voilà, deux trois projets, c'était l'été justement les orphelinats en Asie. Donc il y a premier c'est à Bali, après il y en a d'autres c'est à Malaisie. Mais après je pense qu'on aura choisi des projets dans le monde entier, dans différents endroits. C'est long, on pense qu'ils ont besoin, on a des critères de sélection par les gens qui ont besoin de l'aide. Donc oui, bien sûr, je pense que c'est plutôt vers les enfants, les jeunes qui ont besoin. C'est plus sympa de garder un sourire aussi, qu'on pense positive. Et que voilà, donc, je pense que ça me donnait le plaisir de partager mon plaisir de badminton. Merci. Vive Solibad!